Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de notre Nouvel Esprit Public. Quelques nouvelles de notre entreprise comme je le fais chaque semaine. Nous entrons donc dans la dernière ligne droite de notre recherche de financement qui sera close le 6 novembre, le 5 novembre au soir plus précisément. Et vous pouvez trouver tous les renseignements sur cette recherche de financement sur le site www. .lulule slash le nouvel esprit public. Nous sommes, comme vous savez, les... pardon, j'oublie de vous dire que notre prochain enregistrement aura lieu le 5 novembre et qu'il euh, sera à l'école alsacienne et que le lien permettant de s'inscrire est disponible dès aujourd'hui sur le site www. Le nouvel esprit public sans séparation.fr, site d'ailleurs qui vous permet d'avoir tous les autres renseignements, y compris celui du, du site de financement participatif. Donc, si vous en retenez un seul, retenez celui-là, www.le nouvel esprit public sans séparation.fr. Nous sommes, comme vous le savez, partenaires de l'hebdomadaire Le 1, qui publie cette semaine un numéro piquant consacré au bio à ses illusions, à son industrialisation, à sa vogue, à ses succès et à ses ambivalences. Comme souvent, j'y appréciais le billet d'eau de Lancelin, dont la sévérité donne à réfléchir et qui cite euh, cette fois-ci Bruno Latour, qui dans son dernier livre Où atterrir aux éditions de la découverte développe la métaphore extrêmement cruelle pour nous tous, écrit Aude Lancelin, des passagers d'un avion qui aurait décollé pour une destination enchantée et à qui le pilote annoncerait qu'un demi-tour s'impose tandis qu'ils apprendraient avec effroi au même moment que la piste d'où ils se sont envolés est elle-même devenue inaccessible. Sur cette perspective et sur cette perspective réjouissante, je vous confirme que nous allons essayer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste, avec François Bujon de l'État, ambassadeur de France, et avec François Sureau, avocat et écrivain. Nous allons commencer par nous intéresser à la loi antiterroriste. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté dans les mêmes termes les 11 et 18 octobre le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. L'objet principal de ce texte est de mettre fin à l'état d'urgence au 1er novembre 2017. Pour ne pas affaiblir les moyens de lutte contre le terrorisme, le projet instaure dans le droit commun certains pouvoirs étendus de police administrative. Ceux ci sont pour l'essentiel inspirés des dispositions de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. L'état d'urgence avait été déclaré par décret le 14 novembre 2015, à la suite des attaques terroristes de Paris et de Saint Denis. Depuis lors, six lois sont venues prolonger son application. Le Conseil d'État avait eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises que, je cite, l'état d'urgence reste un état de crise et que ces renouvellements ne sauraient se succéder indéfiniment. Le régime de l'état d'urgence confie, sous le contrôle du juge administratif, des pouvoirs de police étendus au ministre de l'Intérieur et donc au préfet. Il permet en particulier de prononcer des assignations à résidence et d'ordonner des perquisitions administratives ou la fermeture provisoire de certains lieux de réunion. La nouvelle loi reprend certaines de ses dispositions. Elle autorise notamment les préfets à instaurer des périmètres de protection autour de certains sites sensibles ou à prononcer la fermeture administrative des lieux de culte pour apologie du terrorisme. Le ministre de l'Intérieur pourra prendre des mesures de surveillance à l'encontre de personnes suspectées de vouloir porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publique, restriction de la liberté aller et venir sans aller jusqu'à l'assignation en résidence, surveillance des communications électroniques ou encore interdiction d'entrer en contact avec certaines personnes. Le texte a fait l'objet de vives critiques, venues de gauche comme de droite. Si les députés, les républicains ont réclamé des mesures plus fortes pour lutter contre le terrorisme, les sénateurs, les républicains se sont montrés plus sensibles à la protection des libertés. Un amendement est ainsi venu limiter à trois ans l'application de cette loi, qui devrait donc faire l'objet d'une évaluation et d'une révision avant la fin du quinquennat. La gauche dénonce quant à elle un texte attentatoire aux libertés qu'elle compare au Patriot Act, adopté par l'administration Bush après les attentats du 11 septembre. La juriste Mireille Delmas-Marty parle de quasi-fusion entre le droit d'exception et le droit commun. Sur cette question, François Sureau. Pour prendre une, une vue exacte de la question de, de, de l'état d'urgence, il faut d'abord la resituer dans son contexte général. L le premier élément qui vraiment me paraît le plus important, c'est que euh, on croit en général que ce mouvement vers l'effacement des libertés publiques est dû au terrorisme. En fait, ce n'est pas du tout exact. C'est un mouvement qui correspond à une, à une tendance qui a pratiquement euh, 30 ans euh, sinon plus et qui manifeste d'ailleurs le peu de cas que les Français ont toujours fait des libertés publiques, ce qui est frappant dans le débat public dont, dont, dont on parle là. C'est euh, cette idée que tout compte fait nous serions le régime des libertés. Et que nous nous en serions écartés temporairement, motif pris du terrorisme. Eh bien, ce n'est pas du tout exact. La France n'a jamais été, quelles que soient ses proclamations générales, le régime des libertés. Clémenceau disait à l'époque Nous avons proclamé les droits imprescriptibles de l'homme et le lendemain, nous avons érigé une guillotine et commencé les travaux. Bon, euh, ce qui était exactement ce qui s'est passé. Ensuite, il y a eu le régime préféré des Français, le système napoléono-bonapartiste, c'est-à-dire égalitarisme, gloire militaire et contrôle administratif de tout, jusqu'au point où Napoléon disait. Nous n'avons pas de littérature, c'est la faute du ministre de l'Intérieur, ce qui ressemble à peu près à ce qu'on voit à l'heure actuelle. Ensuite, on a eu la Terreur Blanche, et, 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 et au fond, et puis le Second Empire, au fond, le seul moment que nous ayons connu de relativement libéral dans notre histoire politique, c'est un moment qui va à peu près de la fin de la période de l'ordre moral au décret d'Aladier, c'est-à-dire de 1939. Et encore! On doit, pour faire ça, en accepter l'énorme période où la majorité des Français a vu leur liberté de conscience persécutée par l'expulsion de 60 000 prêtres, y compris des moines contemplatifs qui ne gênaient personne, et une laïcité vue sous le régime de la persécution anticatholique. Donc, au, au total, je, je, on dit quelquefois, c'est étonnant, Kennedy est le premier président catholique des États-Unis, quand même, les Américains ont attendu longtemps avant un président catholique, mais... Le premier président de la République pratiquant sa religion, encore que de manière discrète, il a fallu attendre le général de Gaulle pour le voir. Hein c'est une chose que, que, que tout le monde oublie. Donc en réalité, la France n'est pas le régime des libertés, c'est le régime du contrôle administratif. Et c'est très visible là. Euh, sous prétexte de terrorisme, en réalité, le ministre de l'Intérieur et ses services poursuivent un combat qui avant a pris pour prétexte la lutte contre la fraude fiscale, la grande délinquance. Euh, le grand banditisme, la pédophilie, et que sais-je encore, euh, avec cette idée que les garanties du citoyen sont un obstacle à la répression. Ce que rien ne démontre, puisque quand on regarde les pays d'Abeas Corpus, ils ont plutôt un taux d'élucidation des crimes et délits euh, supérieur au nôtre. La, la police, le ministre de l'Intérieur euh, se sont battus euh, jusqu'au sang, si je puis dire, pour éviter la présence de l'avocat en garde à vue et le respect de droits absolument élémentaires. Et puis il a fallu attendre 1971, ce qui en dit quand même long, pour qu'on accepte de contrôler des lois votées par le Parlement euh, en les référant à la Déclaration universelle, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Jusque-là, il n'y avait pas de contrôle de constitutionnalité sur le fondement des grands principes. C'est quand même quelque chose, quand on y pense, d'assez extraordinaire. Alors, il y a probablement des tas de raisons à ça. L'une des raisons, euh, c'est que s'exprime assez bien Julliard dans un livre récent, en réalité, c'est qu'il y a... Nous sommes passés de la souveraineté euh, monarchique, absolutiste, à la souveraineté populaire, et la souveraineté populaire n'a pas rencontré davantage d'obstacles. Si la volonté populaire exprimée dans la loi euh, explique qu'il faut davantage de sécurité, les libertés ne tiennent pas parce que nous accordons plus d'importance à cette volonté générale qu'au désir du citoyen. C'est ce qui s'est passé. Et au fond, euh, ce qui se passe là, entre la reconduction ad infinitum de l'état d'urgence, qui nous a fait suspendre la garantie des droits pendant pratiquement deux ans, ce qui est absolument inconcevable hein, en réalité quand, quand on y pense, euh, se poursuit avec cette loi de rentrer dans l'univers le, 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 de droit commun qui, comme Mireille Delmas-Marty le dit très bien, est une loi de fusion et n'est pas une loi de retour à l'état antérieur. Euh, J'ai eu la curiosité de regarder les, les délibérations du Conseil constitutionnel et je me suis aperçu qu'en 1977, et je trouve que c'est bon à rappeler parce que ça permet de mettre un peu de, de, de sagesse dans ce débat. Euh, on trouve une déclaration au moment de la loi sur la fouille des véhicules où Roger Frey, ministre de ancien ministre de l'Intérieur du Général au moment de la lutte anti-OS et président du Conseil constitutionnel, dit à peu près la chose suivante. Euh, je vais le citer de mémoire. Je remercie Monsieur coste floret pour son rapport. Je rappellerai que nous sommes ici plusieurs à avoir été ministre de l'Intérieur, dont moi-même. Et je tiens à souligner qu'il ne se passe pas de semaine lorsqu'on est ministre de l'Intérieur sans que la police ne vienne vous proposer un texte nouveau supprimant les libertés du citoyen pour rendre plus facile l'action de l'administration. Et eh bien, c'est extrêmement dangereux et c'est une tendance à laquelle il faut se refuser. Il s'agit là de Roger Fray qui était tout de même affronté à autre chose, qu qui avait été affronté à autre chose, terroristes du Bataclan. Et la sagesse dont a fait preuve Monsieur Roger Fray ne s'est pas transmise par capillarité ou succession apostolique au ministre de l'Intérieur. C'est ce qu'on peut déplorer. Ça prouve qu'il faut nommer votre un préfet de police en Absolument. toute hypothèse. Nicolas Baverès. Alors, il me semble qu'il faut quand même resituer ce débat par rapport au terrorisme. Pourquoi Parce que ça n'est pas un, un problème spécifiquement français. Si on regarde, par exemple, aux États-Unis, dont l'histoire est bien différente et qui ont un respect pour le droit infiniment supérieur à ce qu'il est dans notre pays. C'est vrai qu'on voit que depuis 2001, avec le Patriot Act, on a également beaucoup d'initiatives qui ont été prises sur le plan des lois, mais aussi sur le plan de la surveillance électronique, pour essayer de répondre à ce problème du terrorisme. Donc l'état d'urgence, je pense qu'il était assez légitime de le mettre en place après euh, les attentats du Bataclan parce que c'était euh, de fait un traumatisme considérable et surtout on ne savait pas ce qui pouvait suivre euh, derrière. Donc ça correspond assez bien à ce qui avait été prévu à l'origine pour cet état d'urgence. Là où le problème est né, c'est que ces dispositions sont euh, comme toujours asymétriques et donc euh, c'est la reconduction qui a fait de fait de cet état d'exception un état permanent contrairement à ce qui s'était passé Auparavant, puisque, par exemple, pour la Nouvelle-Calédonie, en 85, c'était géographiquement déterminé, et pour les émeutes urbaines de 2005, on n'avait pas eu une installation dans, cette, euh, euh, dans cet euh, état d'urgence. En plus, il y a eu les circonstances, puisque le jour même où François Hollande a annoncé qu'on sortait de l'état d'urgence, c'est le jour où il y a eu l'attentat de Nice, et évidemment, euh, ça a entraîné la reconduction du, du dispositif. Là où je, je, je crois que cette reconduction, effectivement, est problématique, c'est qu'elle s'est révélée assez inefficace du point de vue de la lutte contre le terrorisme et, effectivement, dangereuse sur le plan des libertés publiques. On s'est aperçu, notamment, que ces dispositions ont été utilisés pour faire beaucoup d'autres choses que pour lutter contre le, euh, le terrorisme. donc la sortie est à la fois impérative sur le plan du droit et elle est très compliquée politiquement puisqu'effectivement euh, il suffit qu'il se passe quelque chose sur le plan euh, qui est un acte terroriste pour que le gouvernement et le président se retrouvent euh, accusés de, de laxisme. Euh, ce qui me semble, euh, pro, on voit bien le, le problème, je, je, je trouve qu'il est intéressant de raisonner euh, sur ce qui s'est passé à Marseille, puisque euh, là, on a un attentat euh, et on voit très bien que le fait de faire rentrer l'état d'urgence dans le droit commun ne permet en rien d'anticiper euh, mieux ou de répondre à ce qui s'est passé. L'attentat de Marseille, c'est un pur dysfonctionnement administratif. Et ce qui me semble, c'est que... Plutôt que de, euh, à chaque fois de durcir l'arsenal pénal, euh, on, on, on ne fait pas à l'inverse, parce que la, le durcissement de la loi pénale permet d'adresser des signaux à l'opinion, mais on ne fait pas le travail de fond qui devrait être fait pour lutter contre le terrorisme, sachant qu'il y a un vrai problème, puisque je rappelle que la France est le troisième pays le plus frappé en dehors des zones de guerre par le terrorisme depuis 2015. On a eu plus de pratiquement 350 morts et plus de, de, de 800 blessés. On a 2000 djihadistes en Irak et en Syrie, euh, dont certains vont... Euh, ceux qui ne sont pas morts vont essayer de revenir. Et on a 17 000 islamistes radicalisés sur le territoire français. Donc, la menace, elle existe elle n'est pas fictive. Mais je pense que la manière de la traiter, c'est beaucoup plus d'avoir une stratégie euh, globale euh, de sécurité qui ne peut pas être simplement militaire et policière mais qui doit aussi passer par la diplomatie, l'éducation, euh, la santé. Il faut, euh, par exemple, le ministère de l'Intérieur, c'est incroyable. Il n'y a aucun centre de commandement opérationnel qui permette de euh, faire le suivi de ce qui se passe sur le territoire national. Il n'y a pas de coordination aujourd'hui de la lutte contre l'État islamique sur le territoire euh, français. Et euh, par ailleurs, il y a des budgets de, pour la police et la gendarmerie qui sont à 90% des budgets de fonctionnement, avec un déficit d'investissement euh, stupéfiant. Donc il y a beaucoup de choses à faire et qui ne relèvent pas de la loi pénale, mais du changement de stratégie, de la coordination, de la sortie du fonctionnement en silo des différents services de police ou de renseignement pour permettre de répondre à cette menace qui est une vraie menace. François Bujan de je me fais tout modeste devant deux éminents avocats qui connaissent fort bien ce sujet, moi qui n'ai jamais terminé ma licence en droit. Mais il est je, encore ferai temps. Donc, je ferai donc des remarques de nature plus politique que du cours du soir. Sur ce sujet. je sais, il y a encore des cours du soir et il n'est pas trop tard. Mais euh, je suis surpris pour ma part, pour se mettre dans le temps long comme François Sureau nous a invités à le faire par la permanence de la polémique sur ce sujet. Dès qu'on touche à ce sujet, la polémique repart et on la retrouve à peu près à l'état où on l'avait laissé 10 ou 15 ans auparavant. Selon, je me souviens par exemple de mes années d'étudiant. Euh, où l'arsenal euh, juridique était en train d'être étoffé pour répondre à la menace de l'OAS, par exemple et euh, mes maîtres qui me préparaient à l'époque au concours euh, étaient dans des états d'émotion violente chaque fois qu'une nouvelle mesure était prise et les arguments que j'entendais à l'époque des défenseurs des libertés publiques étaient tout à fait identiques à ceux que j'entends aujourd'hui quand on veut rendre permanent quelque chose qui était provisoire au fond ce sont les mêmes arguments, les mêmes causes produisent les mêmes effets et ce sont les mêmes arguments. Or si on s'efforce si de mettre les choses en perspective, de quoi s'est-il vraiment agi cette fois-ci Il s'est agi de rendre permanent des mesures qui étaient provisoires. En réalité, on ne pouvait pas continuer à se donner le ridicule, de prolonger l'état d'urgence tous les six mois. On en était à la sixième loi, vous l'avez rappelé, et euh, la question était de savoir comment, comment sortir de cette situation qui était effectivement un peu ridicule. Sortir de ce régime d'exception sans baisser la garde, c'était le mot d'ordre qui avait été donné, euh, n'est pas, pas si simple. Donc, euh, voilà, il, 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 faut, euh, il faut éviter de pérenniser ad vitam aeternam l'état d'urgence qui est fait pour répondre à une situation donnée à un moment donné. Et c'est une équation finalement plus difficile qu'on ne le pense. Il fallait donc transposer dans le droit commun des mesures autorisées dans le cadre de l'état d'urgence. Et c'est de ça qu'il s'agit dans la, dans la loi dont nous parlons. Et ceci entraîne la mise à l'écart du juge judiciaire, au bénéfice, si j'ose dire, du juge administratif, du Conseil d'État et d'un autre ordre de juridiction. Mais euh, que ceci suscite une polémique entre les défenseurs des libertés publiques que l'on entend et les défenseurs de l'ordre qui sont du côté du gouvernement, n'est pas étonnant, mais, mais ce qui me frappe encore une fois, c'est la permanence, c'est la récurrence de ce débat qui n'est jamais tranché et qui, est, et qui est difficile. Ça dépasse tout à fait le clivage droite-gauche, si on y réfléchit, parce que les rôles s'inversent parfois. C'est souvent une pure polémique entre le pouvoir. Et l'opposition. D'ailleurs, les plus virulents ont été M. Mélenchon et Mme Le Pen, dont je ne pense pas que ce soit des défenseurs des libertés publiques auxquels je puisse me fier aveuglément. Ceci montre bien qu'il y a un jeu de rôle également dans ce, dans ce type de débat. Alors, si on se compare avec nos voisins ou avec, disons, d'autres grandes démocraties qui ont fait face aux mêmes problèmes, on s'aperçoit que le débat a été sensiblement le même dans les pays latins. C'est tout à fait intéressant. Quand les Espagnols ont eu à prendre des mesures contre le terrorisme basque, il y a eu également un débat chez eux qui leur fait honneur et qui ressemblait assez au nôtre. Ou les Italiens face aux Brigades Rouges, par exemple. Mais dès qu'on se transfère dans l'ordre anglo-saxon, alors là, euh, on trouve effectivement des références différentes et des habitudes de pensée différentes. Le Patriot Act auquel on se réfère, c'est autre chose que la loi antiterroriste française. Elle va très, très loin. Le Patriot Act va très, très loin dans la surveillance et notamment dans la surveillance électronique et beaucoup plus loin que nous. Et surtout, ça s'est accompagné d'un contexte que nous ne connaissons pas, qui était le contexte de l'après 11 septembre. Je l'ai vécu pour ma part aux États-Unis et j'ai vu ce que c'était qu'une fièvre sécuritaire qui s'empare tout entière d'un pays. Nous n'en sommes pas là, malgré les menaces terroristes et les et les, et les les attaques périodiques. Donc euh, voilà, je pense que en réalité, la seule solution pour le pouvoir qui permette à la fois de concilier l'exigence de sécurité qui se manifeste dans l'opinion publique et de répondre à son inquiétude et en même temps de préserver au mieux les libertés publiques, c'est de disposer d'un arsenal dont on use avec doigté. Et avec modération. Euh, je pense que la réponse est presque plus dans la pratique que dans la théorie. Je vous interrogerai tout à l'heure sur la manière dont le pouvoir judiciaire a été un partenaire ou un adversaire de ceux qui ont voulu l'application et qui ont mené l'application du Patriot Act aux États-Unis, mais François Sureau. Moi, ce qui me semble, c'est que je crois qu'il faut en revenir à des choses assez concrètes. On oppose très souvent, et c'est là où M. Bujon de l'Étang a raison de dire que c'est un débat assez ancien, on oppose assez facilement les défenseurs de l'ordre aux défenseurs de la liberté. Alors, notre système, euh, on peut l'aimer ou le détester, mais notre système a été conçu précisément pour que ce problème ne se pose pas. Le système français est un système extrêmement répressif, même avant l'état d'urgence. Le délit d'association de malfaiteurs en vue de commettre une entreprise terroriste est un délit invraisemblablement répressif. Et je ne sache pas que les magistrats judiciaires soient des moutons bêlants abonnés aux œuvres complètes de maître Henri Leclerc. Donc, notre système. Et en lui -même est en lui-même et sans état d'urgence un système extraordinairement répressif. Le système constitutionnel, le système classique, le système libéral consiste précisément à éviter ce choix entre sécurité et liberté en remettant une répression même dure entre les mains du juge, peu importe qu'il soit judiciaire ou administratif, contrairement à ce qu'on raconte souvent, la vraie question c'est qu'il faut qu'il intervienne avant que la violation des libertés ne soit commise. Et là-dessus, il n'y avait aucune raison de s'écarter de ce système de droit. À qui fera-t-on croire qu'on ne peut pas présenter comme un sous-préfet à un magistrat antiterroriste les preuves qu'on a recueillies afin d'aller perquisitionner chez quelqu'un? à personne. En réalité, ce qui s'est passé, c'est un mouvement de dessaisissement de la seule garantie du citoyen qui vaille, celle que, qui consiste à dire que quand il s'agit de rentrer chez quelqu'un, dans ses livres, dans sa vie, dans son ordinateur et dans sa pensée, on va voir une personnalité indépendante du gouvernement avant que la violation des libertés n'ait été commise. Voilà. C'est ça le sujet, c'est ça auquel l'état d'urgence a voulu obvier, et c'est ça qu'il s'agit de retrouver maintenant. Et évidemment, euh, eh bien, on ne retrouve pas ça dans l'intégralité, puisque par exemple, les assignations à résidence peuvent être, euh, peuvent être prononcées sur simple décision euh, préfectorale. Alors, ça, c'est fâcheux et c'est inutile. Parce que l'état d'urgence, il est fait en réalité, on le sait très bien, pour des situations d'émeute qui durent une semaine, où on met les préfets, la police et l'armée partout. Euh, 6000 perquisitions administratives pour 40 mises en examen, dont 20 pour faits d'apologie de terrorisme, à qui fera-t-on croire qu'on n'aurait pas obtenu un résultat au moins équivalent en s'adressant à un juge avant les perquisitions euh, Parce que simplement, les juges sont formés pour ça. Un sous-préfet, c'est une machine à délivrer des permis de construire. Ça n'est pas quelqu'un qui a l'habitude même du mécanisme criminel futile terroriste. Donc tout ça n'a à proprement parler aucun sens. Et ce qui me frappe aussi, et c'est là où le, le, le débat me paraît beaucoup plus complexe qu'il qu semble, ce qui me frappe aussi c'est que tout le monde oublie non seulement d'où l'on vient, c'est-à-dire qu'en réalité euh, la raison de, de ce que vous décrivez vient du fait que Peut-être qu'au fond, nous sommes plus orientés vers la volonté générale que vers les droits du citoyen. Notre construction politique n'est pas fondée, comme dans les pays anglo-saxons, sur les droits du citoyen. Même dans les pays qui ont des législations sévères, comme les États-Unis ou l'Angleterre, on ne peut jamais se passer du mandat préalable d'un juge, qui le donne pratiquement toujours. Mais en tout cas, c'est la garantie des libertés du citoyen. Et ce qui me frappe, c'est que nous avons admis, à la faveur de l'état d'urgence et partiellement de ce qui vient de se passer, des brèches extrêmement importantes qui m'inquiètent. Alors, c'est quoi les brèches c'est par exemple, heureusement, que ça a été annulé par le Conseil constitutionnel. Mais c'est l'idée du délit purement cognitif. Vous allez surfer sur jihad.com, eh bien, en réalité, on peut vous fourrer au ballon et perquisitionner chez vous parce que vous avez surfé sur jihad.com. Alors nous, ça nous va très bien. On n'aime pas jihad.com. Mais une fois que vous avez accepté l'idée que l'administration puisse contrôler le fonctionnement de votre intellect, euh, que se passera-t-il lorsque, euh, dans 10 ou 20 ans, une majorité différente dira que vous ne pouvez pas aller surfer sur des sites qui disent que le capitaine Dreyfus était innocent C'est très ennuyeux. Voilà. Et tout le monde a perdu ça de vue. Et là, je suis totalement d'accord avec Nicolas Bavret, Tout le monde a perdu ça de vue euh, pour nul résultat pratique. Parce que qu'est-ce qui se passe par un effet d'ailleurs de politiquement correct, comme les lois en question ne ciblent jamais les terroristes islamistes mais tout le monde. En réalité on soumet la totalité des Français à des obligations nouvelles, alors d'ailleurs que pendant le même temps euh, on ne punit jamais les responsables. Enfin, dans quelle démocratie le ministre de l'Intérieur et les responsables de la police n'auraient pas au moins présenté symboliquement leur démission après l'affaire du Bataclan euh, Dans quelle démocratie aur aurait-on pu, comme on l'a fait là, ne pas songer à s'interroger sur la raison de euh, l'absence totale de ce que les militaires appellent un rétex après les opérations, l'absence de coordination des services de santé, le fait que les communications militaires et les communications policières ne fonctionnaient même pas ensemble au moment des attentats enfin, Bon, et pour faire oublier ça, en quelque sorte sorte, on a préféré la politique de l'impression produite, qui consiste à spéculer sur l'idée que le public pensera que sa sécurité est mieux assurée en s'adressant à un sous-préfet qu'à un juge antiterroriste. Franchement, c'est assez surréaliste. Nicolas Baverez Je crois qu'il n'y a qu'un... Il y a un domaine où euh, on, on peut faire euh, des lois, et ça a été euh, rappelé, d'une certaine manière, mais en mal par le Patriot Act, il y a un domaine des libertés publiques qui est un champ nouveau qui s'ouvre et qui est Internet, le big data. Et c'est vrai que là-dessus, on, on a une vraie difficulté puisqu'il faut créer un cadre législatif pour ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec ce nouvel équilibre. Et là, c'est vrai que euh, certains outils n'existent pas, puisque bien sûr, les grands principes qui ont été fixés euh, à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle ne s'appliquent pas forcément euh, facilement, à, facilement à Internet. Donc là, sur ce point-là, par exemple, sur la, la question de ce qu'on appelle le PNR, c'est-à-dire le registre euh, des, des voyageurs en avion, euh, et également sur la manière d'utiliser le, le big data, euh, mais théoriquement, ça a été couvert par la loi sur le renseignement de, de 2015. Il y a un deuxième domaine d'action nouveau qui s'ouvre, clairement, qui est le niveau européen, puisque dans les attentats qu'on a pu voir, il y en a certains qui viennent du territoire français, euh, mais il y en a d'autres aussi qui, ont, qui sont organisés par des commandos qui se déplacent en Europe. Et donc, de ce point de vue-là, il y a aussi euh, je pense euh, des vides qu'on peut essayer de, de combler. Euh, mais comme on l'a dit, euh, pour ce qui est de la transformation et de l'introduction euh, du transfert de euh, l'essentiel des dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun pénal, il est clair que ça, ça n'améliore pas la sécurité et qu'en revanche, ça porte atteinte aux libertés. Mais François euh, sur tout à l'heure, et euh, les autres, vous avez rappelé là, l'état dans lequel étaient les, les forces de renseignement d'intervention et de police au moment du premier grand attentat, euh, c'est-à-dire celui de Charlie Hebdo, euh, cet état de non-coordination, pour rester dans la litote, enfin, l'état de désordre en réalité, et quelquefois de concurrence, euh, état auquel Bernard Cazeneuve avait annoncé qu'il qu mettrait fin, en tout cas qu'il s'y emploierait ardemment, et je pense d'ailleurs qu'il l'a fait. La question est de savoir à quel résultat cette volonté aboutit parce que l'histoire de Marseille, que l'un d'entre vous rappelait tout à l'heure, est-elle un dysfonctionnement comme il en arrive immanquablement dans n'importe quelle circonstance, ou bien est-elle le symptôme du fait que peu de choses se sont passées dans le domaine du renseignement, qui certes est beaucoup moins visible que les perquisitions administratives et les choses du même genre, mais qui par exemple pourrait s'avérer particulièrement important. En ce moment où, je crois que c'est Nicolas qui parlait du retour des gens de, de Daesh, euh, il faut se souvenir du gang de Roubaix, qui était le retour des gens, eux, du Kosovo. Euh, de, de, de gens partis, eux aussi, avec des motivations qu'on aurait pu trouver extrêmement nobles. Un médecin qui s'est avéré devenir un sadique épouvantable et un militaire, un légionnaire, si je me souviens bien, qui avait commencé par vouloir servir et qui s'est trouvé de, à la fois devenu un assassin, un voleur, etc etc. etc. Ce, il n'y a pas de raison de penser que les mêmes situations et d'une certaine manière les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets et qu'on voit arriver aussi ce type euh, de, de situation qui n'est qui ne peut être prévenu que par le renseignement et pas par les il pouvoirs de police. sous il faut il faut probablement effectivement réformer les structures, s'intéresser aux territoires sur lesquels l'islamisme prolifère. Là encore d'ailleurs, on peut également s'intéresser aux prêches, mais ce qui est très frappant dans la loi de sortie du terrorisme c'est qu'elle prévoit la fermeture des mosquées de manière euh, d'une manière qui relève uniquement de l'affichage pour produire une impression euh, parce que vous trouvez dans la loi de 1905 tous les moyens possibles pour prévenir des prêches incendiaires. Il n'est pas du tout besoin de faire voter des dispositions nouvelles. Nous avons eu en 15 ans 11 lois modifiant la répression pénale du terrorisme. Enfin, C'est absolument surréaliste. Ça donne l'impression d'un manque de sang-froid euh, euh, complet. Et au-delà de ça, il y a une question qui me paraît presque philosophique. C'est que je pense que dans tous les domaines, euh, nos sociétés délivrées de toute transcendance paraissent incapables de penser le mal. Le mal, l'existence le mal, du mal, le fait que nous aurons toujours la bande d'abonnés ici, le gang de là, les anarchistes, les islamistes, le mal nous est devenu au sens propre impensable. La raison profonde de la déchéance de nationalité, absurdement voulue par le président Hollande, c'était cette idée que des gens qui commettent à ce point le mal ne peuvent pas nous appartenir. Ils sont forcément non français. Ils doivent être rejetés en dehors de, 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 de l'espace parce que nous ne pensons pas que le mal puisse être, euh, puisse être en nous, en quelque sorte. Et ça, c'est une tendance de la société contre laquelle on... Euh, J'ai l'impression qu'on ne fera rien. L'autre élément qui me paraît très frappant, c'est que pour défendre l'idée des libertés publiques, il faut avoir l'idée d'un projet des libertés publiques. Euh, et je pense que là-dessus, Manon a raison. En réalité, les pays européens paraissent avoir réalisé leur agenda philosophique. Ils ont établi les droits de l'homme, la relative égalité des conditions, etc. Et ils n'ont plus véritablement de projet des libertés publiques. Face à ça, il y a quoi La liberté se réduit à quoi, puisqu'il n'y a plus de projet collectif des libertés publiques Eh bien, c'est la liberté de, de fumer, de boire, un boc en terrasse et d'écouter ce qu'on veut. Cette liberté-là est compatible avec un accroissement du contrôle administratif. Et les deux raisons, ensemble, euh, ne me rendent pas spécialement optimiste. François-Jean de Ce qui me frappe, c'est que le débat peut être philosophique, effectivement, il peut être pratique et juridique, comme nous l'avons amorcé tout à l'heure, mais je ne suis pas sûr qu'il pénètre très profondément les couches de l'opinion publique, au fond. Et je me demande s'il n'y a pas là un divorce entre nos élites qui débattent de la défense des libertés publiques et une population qui, dans ses profondeurs, est assez indifférente à ce débat et souhaite surtout qu'on la protège. C'est extraordinaire. Encore une fois, pour me retourner vers les États-Unis, où j'ai longtemps vécu, euh, j'ai vu comment, après le 11 septembre, euh, l'opinion publique, complètement traumatisée par la première attaque historique, historiquement perpétré par, euh, sur le sol américain et dans la ville la plus emblématique des États-Unis, New York, euh, s'est retournée immédiatement contre tous les pouvoirs, en disant mais on nous a négligés, on ne nous protège pas, qu'est-ce qui se passe Et effectivement, les, les enquêtes qui ont été menées après le 11 septembre, et qui ont été extraordinairement détaillées, enquête du Congrès, enquête du gouvernement, etc., ont fait ressortir qu'on disposait en réalité de toutes les informations qui aurait permis de prévenir l'attaque du 11 septembre mais qu'on n'a pas su coordonner la réponse à ce que l'on avait et synthétiser les, les renseignements en question. Donc il y, a, il y a plusieurs choses, si vous voulez. Il y a une opinion qui demande qu'on la protège. Il y a un gouvernement qui soit de droite ou de gauche, peu importe. D'ailleurs, nous le voyons dans cette affaire de l'état d'urgence en France, les deux successivement, qui euh, pense qu'il est de son devoir d'augmenter l'arsenal répressif, mais surtout l'arsenal préventif, de façon à éviter autant que possible la récurrence de incidents et entre les deux il n'y a pas énormément de communication alors même qu'on dispose d'un arsenal qu'on dispose d'énormément de renseignements mais qu'on ne sait pas toujours relier les points pour montrer l'image parfaite et que la bavresse. la demande de sécurité c'est pas une opinion c'est quelque chose de fondamental normalement c'est la première mission d'un état et c'est la condition de la liberté c'est la condition du développement économique c'est la condition d'un minimum de cohésion sociale. Donc, c'est la première condition pour avoir une communauté des citoyens. Et d'ailleurs, c'est ça qu'avaient réfléchi en priorité euh, les, les, philosophes des, les philosophes des Lumières. Donc, la sécurité, euh, pas, ça ne répond pas à une idéologie. C'est quelque chose de vital. Pour un, un État démocratique, la grande différence c'est qu'aux États-Unis, bien sûr, il y a eu beaucoup de d'erreurs de, qui ont été commises avant le 11 septembre 2001, euh, et le Patriot Act était sûrement une réponse démesurée. Mais il y a eu une vraie remise en question, comme vous l'avez rappelé, un vrai travail d'analyse, d'expertise et des vrais changements sur le fonctionnement euh, du renseignement et d'un certain nombre d'agences de sécurité. Pour revenir à ce que disait euh, euh, Philippe meyer ce qui est Incroyable, c'est que après Charlie Hebdo, on a fait des manifestations, mais euh, on n'a rien fait d'autre. Il n'y a pas eu euh, d'enquête de, véritable, il n'y a pas eu de remise en question euh, des services, de, et même après le, le Bataclan. Donc, euh, euh, c'est vrai que. Euh, on a réinvesti un peu euh, dans, euh, dans le, la police et, et, et la gendarmerie, mais il n'y a eu aucune remise en question fondamentale de ce qui s'est passé. Et ça a été exactement la même chose après euh, l'attentat de, de Nice. Donc aujourd'hui. La priorité, si on veut faire de la sécurité, ce qui est fondamental, ça n'est pas de compléter euh, et de remettre en, en permanence euh, en chantier le code pénal, c'est d'avoir une stratégie de lutte contre l'islamisme sur le territoire national. François, sans J'adhère entièrement à ce que dit Nicolas, parce que ce qui me frappe énormément, c'est qu'on a un Parlement, par exemple, qui ne cesse de réclamer de nouveaux pouvoirs. Pas les parlementaires disent que les institutions sont déséquilibrées, etc. Ils en ont énormément, y compris celui d'évaluer les politiques menées. Et ils ne le font jamais. Quand vous regardez en détail ce que j'ai eu la curiosité de faire, les débats parlementaires à l'occasion de la loi de sortie du terrorisme, vous vous rendez compte que le ministre de l'Intérieur n'est jamais sommé de produire des statistiques, des éléments, euh, des éléments d'analyse de la manière dont ça s'est passé. C'est très ancien. Hein quand euh, l'attentat du Drakkar a fait un stompe de morts français et américain américains, le général américain a été révoqué et le général français a été fait commandeur de la Légion d'honneur. Quand, euh, quand quatre militaires américains meurent au Niger, vous avez immédiatement une enquête qui est une enquête efficace après les attentats non, bah se... de des États-Unis en Libye. Voilà, et absolument. Et, et le, 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 après dans les, les attentats, après les attentats du 11 septembre, vous avez un mécanisme d'analyse qui se met en place. Dans les dispositions de sortie de la loi d'état d'urgence, vous avez un élément très intéressant qui est la possibilité de faire des contrôles d'identité dans le cadre de la police administrative, c'est-à-dire hors de toute opération de police judiciaire, dans les gares et les aéroports principaux, c'est-à-dire 30% de la surface du territoire et 60% de la population. Euh, et, et c'est le renversement complet de notre tradition hein, selon laquelle en matière de police administrative, c'est la liberté qui est la règle et le contrôle l'exception. Peut-être est-ce nécessaire. Pas un député, alors que c'est inscrit dans une euh, disposition visant le combat contre le terrorisme, n'a demandé au ministre de l'Intérieur la statistique de ce sur quoi avaient débouché les contrôles administratifs au cours des deux années précédentes. S'il l'avait demandé, il serait rendu compte que les 98% des... Contrôle administratif avait débouché simplement sur des poursuites en matière d'infraction à la législation du séjour. Et non pas sur quoi que ce soit y entrer au terrorisme. Alors, peut-être faut-il faire de tels contrôles. Ce qui me frappe, c'est la carence complète de, le déni de réalité absolue, la carence complète d'analyse concrète des situations à laquelle on préfère une politique d'affichage normatif qui satisfait tout le monde françois Bujon, je voudrais vous demander si puisque vous étiez aux états-unis si après l'instauration du patriot act les citoyens américains citoyens des états-unis ont pu compter sur la justice pour tenir la balance égale entre leurs droits et les pouvoirs des les pouvoirs policiers notamment c'est difficile à dire et je ne suis pas équipé pour vous répondre parce qu'il faudrait regarder la jurisprudence qui a suivi pendant les années qui ont suivi et où je n'habitais plus aux États-Unis. Euh, mais les, beaucoup d'associations notamment ont eu recours à la justice contre le Patriot Act et euh, ils l'ont fait avec euh, pas mal de militantisme finalement. Ce qui est compréhensible dans le contexte actuel est compte tenu du fait que c'était, c'était plus des associations que des, que des citoyens à proprement parler. Et la justice répond bien dans ces cas-là. C'est une justice en plus dans laquelle les Américains ont plutôt confiance, sauf, sauf lorsqu'elle a à traiter de sujets d'essence raciale, auquel cas, au contraire, on a vu, bien entendu, beaucoup de dérapages. Mais d'une façon générale, les, Français, les, les, les Américains ont plutôt confiance dans leur justice, d'autant plus que ce sont des juges élus, n'est-ce pas Une institution que nous ne connaissons pas, nous. Et euh, nous avons une compréhension du, ou une appréhension du problème judiciaire qui est très très différente de la leur. Il faut reconnaître que ces derniers temps, quand on a vu la justice s'opposer à certaines décisions du nouveau président des États-Unis, du encore nouveau président des États-Unis, il oui. y an, on a eu, en effet, on s'est demandé, François Suro parlait de l'évanescence du Parlement, on s'est demandé si pareilles choses étaient transposables dans notre pays. Oui. Alors j'ajoute, si vous permettez, qu'aux États-Unis, il n'existe qu'une justice judiciaire et qu'il n'y a pas cette dichotomie que nous avons en France avec un ordre judiciaire et un ordre administratif. Et c'est un sujet en soi, mais je suis étonné toujours de voir que les Français semblent avoir davantage confiance dans euh, la justice judiciaire que dans la justice administrative, qui pourtant, dans son histoire, a souvent fort bien défendu les libertés publiques. Oui, enfin, elle n'a pas fait que ça quand même. Non, bien euh, sûr, sûr, mais je oui. souviens euh, de l'examen par le Conseil d'État du statut des Juifs. Ce n'est pas absolument un grand moment d'indépendance judiciaire. Euh, la vérité, ce qui est très intéressant, c'est que. Euh, notre construction, et ça c'est vraiment la différence entre les pays anglo-saxons et nous, et un jour je pense qu'il faudra y réfléchir, y compris sur le plan constitutionnel, notre construction euh, politique, celle qui vient des Lumières, est une construction qui, euh, en réalité, fait reposer les garanties du citoyen sur l'existence du juge. Or, nous avons eu pendant très longtemps euh, un corps de juge, euh, judiciaire ou administratif, d'ailleurs, anonyme. Euh, Périodiquement épuré par le gouvernement, fonctionnant à l'ancienneté, de telle sorte que Clémenceau pouvait dire il n'y a qu'un seul magistrat indépendant en France, c'est le premier président de la Cour de cassation, à condition qu'il soit déjà grand croix de la Légion d'honneur. Le système euh, anglo-saxon fonctionne de manière inverse, c'est-à-dire que la garantie du citoyen réside dans la sincérité du juge, du juge à titre personnel, du juge Brandéis, euh, du juge Mac Machin, qui est, là, qui est là en tant que personne, qui dit ce qui lui passe par la tête dans la rédaction de ses opinions et qui les signe. Je pense que dans le monde moderne, où l'anonyme est de plus en plus difficilement euh, toléré, où l'engagement presque émotionnel, tripal des responsables est requis, je pense qu'un jour, il faudra en venir, si nous voulons véritablement protéger les droits des citoyens, à nous orienter vers une conception du juge qui s'engage davantage et qui soit un juge plus personnel, comme l'est le juge anglo-saxon. Je vous remercie, je vous propose que nous passions à notre deuxième sujet qui est celui de la Chine puisque le 19e congrès du Parti communiste chinois s'est tenu à Pékin du 18 au 25 octobre et qu'il a reconduit Xi Jinping au poste de secrétaire général pour un second mandat. Les 2200 délégués réunis Plastinanmen ont approuvé à l'unanimité le projet de révision des statuts du parti qui consacre la contribution de Monsieur Xi à l'édification du socialisme chinois au même rang que Mao Zedong et Deng Xiaoping. Ainsi, ce congrès aura-t-il confirmé la dynamique de personnalisation du pouvoir engagée par le dirigeant chinois, qui a rompu avec les usages en ne nommant pas de successeur potentiel au sein du comité permanent du bureau politique du parti. Monsieur Xi pourrait viser un troisième mandat lors du 20e congrès en 2022, en dépit de la limitation constitutionnelle à deux mandats. Lors de son discours d'ouverture, le secrétaire général réélu a fait le portrait d'une Chine, je cite, qui s'est mise debout et devenue riche et envisage les perspectives brillantes de la Renaissance. Fin de citation. Le pays est en effet revenu en une quinzaine d'années est devenue en une quinzaine d'années la deuxième économie mondiale derrière les États-Unis, en perte de vitesse. Pékin peut compter sur une croissance qui s'est maintenue à un niveau élevé de plus 6,5% en 2016 et sur ses excellentes performances à l'exportation. La Chine est devenue le premier exportateur mondial. Or, ses exportations ne portent plus seulement sur les produits manufacturés. Et l'industrie chinoise se situe désormais au premier plan dans de nombreux secteurs d'innovation. Cette puissance économique est aujourd'hui mise au service d'une stratégie de retour à la puissance politique. Le projet des nouvelles routes de la soie a vu la Chine développer ses intérêts et investir massivement dans le continent eurasiatique comme dans l'océan Indien. La présence chinoise en Afrique s'est également renforcée au cours des 15 dernières années. Le budget militaire chinois est en progression constante. Pékin a inauguré sa première base militaire à l'étranger en août dernier, à Djibouti. Cette influence économique, stratégique, mais aussi idéologique permet à la Chine de peser de plus en plus lourd dans le concert des nations. Toutefois, cette ambition se réalise au prix d'un contrôle social resserré sur la population, réprimant toute forme de dissidence. Depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, les radiations de la fonction publique ont concerné plus d'un million de personnes et... Plusieurs lois controversées sur la sécurité nationale ont été adoptées. La mort en juillet dernier du prix Nobel de la paix 2010, Liu Xiaobo, qui fut emprisonné par le régime de 2008 jusqu'à quelques semaines avant son décès, a de nouveau attiré l'attention sur la situation des droits fondamentaux en Chine. Monsieur Xi Jinping devra enfin affronter au cours de la mandature qui s'ouvre le 30e anniversaire du massacre de la place Tiananmen au printemps 2019. Sur cette question, Nicolas Bavresse. Alors après le, le choc populiste de 2016, c'est vrai qu'on euh, a consacré beaucoup d'attention légitimement au cycle électoral en Europe. Mais ce qui se passe en Chine avec euh, le 19e congrès est peut-être l'événement le plus important euh, de l'année et celui qui aura les conséquences les plus durables. Donc de fait, il y a une triple rupture euh, du côté de Xi Jinping. Premièrement, euh, dans les sept membres euh, du comité euh, permanent du Politburo, euh, il est vraiment euh, sans, sans égal et sans équivalent. Les, les personnalités qui sont à ses côtés euh, sont euh, des personnalités qui n'arrivent absolument pas à son niveau. Ensuite, euh, comme il a été rappelé, il n'a pas désigné de, de successeur ce qui est une première puisqu'il est censé rendre le pouvoir en 2022. Et enfin, la pensée Xi Jinping, cette pensée qui euh, euh, théorise le passage de l'ère de la construction de la nation à la richesse et puis euh, à la puissance, va être inscrite dans la charte du Parti communiste. Donc ça veut dire que la révolution qu'il a entreprise est parvenue à son terme. C'est une révolution qui enterre l'héritage de Deng Xiaoping. Il y avait euh, deux, deux, deux aspects fondamentaux. À l'intérieur, le fait qu'on ne voulait plus un système à la Mao, donc c'était un totalitarisme soft, une direction collégiale et le refus du culte de la personnalité. Et là, on revient à une forme de maoïsme. Et la deuxième révolution, c'est que... La Chine était prudente à l'extérieur et là la Chine affirme euh, sa puissance elle avance maintenant à visage découvert en expliquant qu'on est rentré dans l'ère de la euh, dans l'ère de la puissance. Et ce qu'il faut toujours rappeler c'est que L'importance du père de Xi Jinping est très importante. Il s'appelait Xing Zongju. C'était un compagnon d'armes de Mao. Et il est devenu vice-premier ministre. C'était un réformateur et qui a été purgé en 1962. Et il a frôlé la mort. Et donc, pour Xi Jinping, il ne faut pas se lancer dans la réforme avant de contrôler le pouvoir. Et donc, lui prend les choses dans l'ordre. Il contrôle tout le pouvoir. Maintenant, reste à savoir s'il va arriver avec ce pouvoir à faire les réformes. Et c'est là où on a en fait, sous ce pouvoir absolu, il y a quand même trois grandes questions qui pointent. La question économique, c'est que la réforme en Chine avance, mais avance très lentement. Si on regarde le supplément de croissance récent, en fait, c'est l'industrie. En fait, c'est le charbon, c'est l'acier. Les surcapacités ne sont pas réglées. Euh, en fait, c'est toujours l'exportation. La consommation n'a progressé que de 35 à 40 du PIB, ce qui reste euh, extrêmement faible. La deuxième grande question, c'est la société. C'est vrai que la Chine n'est certainement pas une démocratie, mais il y a une opinion chinoise, et notamment, il y a 700 millions de Chinois sur les réseaux sociaux et sur une application qui s'appelle WeChat. Et le contrôle euh, renforcé de l'État euh, sur les réseaux sociaux euh, et crée un malaise et est de plus en plus mal euh, toléré. Et troisième limite, c'est que l'affirmation spectaculaire de la Chine, la poldérisation, la militarisation, la Chine investit 4% de son PIB dans son armée, elle poldérise, elle militarise les îlots, elle est en train en fait de s'approprier la mer de, de Chine du Sud, elle soutient euh, implicitement la Corée du Nord pour déstabiliser les, les États-Unis et leurs alliances. Mais tout ça a un prix, c'est que maintenant, on commence à voir une grande inquiétude et une résistance à la Chine, y compris en Asie. Le Japon, qui vient de réélire très, très brillamment Shinzo Abe, est maintenant un Japon qui, à son tour, réarme. On voit des inquiétudes croissantes au Vietnam, dans toute une partie de l'Asie. On voit également que le néocolonialisme chinois provoque des réactions en, en Afrique. Et paradoxalement, le, la crise coréenne pourrait amener les États-Unis à partir moins vite que prévu d'Asie-Pacifique. Donc, au, au total, on a quand même des grandes et des questions vraiment structurelles. Est-ce que cette affirmation de puissance et le retour à un totalitarisme qui est de moins en moins soft est compatible avec la vente du ce que Xi Jinping appelle le, le rêve chinois Est-ce qu'on peut vraiment avoir une économie de l'innovation et devenir la première puissance du monde en 2049 avec un un état totalitaire et une société euh, euh, sous contrôle euh, ce sont là des grandes questions. ce qui est sûr pour les démocraties c'est qu'en revanche dans le monde de xi jinping il y a la volonté d'être la première puissance du monde et pour revenir à notre premier sujet en revanche il n'y a pas de place pour la liberté politique et donc les démocraties doivent quand même prendre conscience de ce qui est un vrai modèle alternatif maintenant à la démocratie qui est défendu par un pays extrêmement puissant euh, qui, qui applique, j'allais dire, le poutinisme, mais avec le développement économique et la puissance financière en plus. François Bujon de l'Étang. Bon, donc, ce qui vient de se passer à propos du 19e congrès du Parti communiste, il y a beaucoup de choses qui sont très évidentes. Elles ont, elles ont été soulignées. Ça a été une manifestation de force de Xi Jinping. C'est un renforcement incontestable de son pouvoir. À bien des égards, on a assisté à ce qui s'apparente au couronnement de l'Empereur Rouge. On a intégré sa pensée, au même titre que celle de Mao Zedong, dans les statuts du Parti communiste. Il est aujourd'hui sur un rang d'égalité avec Mao Zedong. Le culte de la Personnalité est renforcée et organisée, euh, et il a une mainmise complète sur le pouvoir, qui se traduit notamment, comme ça vient d'être dit, par le fait qu'il n'a pas désigné de successeur et qu'il n'a pas, au fond, de limites à son pouvoir, dont on se demande s'il ne va pas s'étendre euh, plus loin. Ça, c'est une, une première série de certitudes. La seconde, c'est qu'effectivement, on est arrivé dans l'ère de la puissance et que euh, la Chine cherche à s'affirmer sur la scène internationale. Elle le fait de deux façons. Elle le fait de façon ancienne euh, et armée, si j'ose dire, en mer de Chine, en suscitant énormément d'inquiétudes chez tous ses voisins. Euh, J'étais récemment dans une conférence internationale. Où où un des porte-paroles de Pékin expliquait benoîtement, comme ils le font volontiers, l'humilité avec laquelle la Chine remontait la pente et cherchait à redorer son blason et affirmer sa puissance, mais que tout ceci était euh, nourri de volonté totalement pacifique. Et un petit indien au premier rang s'est levé et a dit qu'il avait pris note avec beaucoup d'intérêt de ce qui venait d'être dit par le représentant de Pékin. Mais si cela est vrai, a-t-il dit, comment expliquez-vous que la Chine ait des relations totalement détestables avec la totalité totalité de ses voisins, sans aucune exception. C'était une assez bonne question et ça montre que la restauration de la puissance chinoise ne se fait pas sans susciter d'inquiétude. Mais par ailleurs, il y a le soft power que cherche développer, à développer consciemment la Chine de Xi Jinping, toute l'affaire de la nouvelle route de la soie en est absolument l'illustration, mais d'une façon générale, la Chine entend peser sur les affaires du monde, non seulement par les moyens de la puissance traditionnelle, de la puissance militaire et économique, mais aussi par une espèce de diplomatie d'influence qu'elle mène dans le monde de plus en plus et qui accompagne euh, sa volonté de présence. Alors en dessous de tout ça, il y a une immense incertitude euh, que Nicolas... A à toucher du doigt, jusqu'où va aller la contradiction entre une libéralisation économique presque complète et l'incitation à développer les, 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 les libertés économiques et le refus total de donner la moindre liberté dans le domaine, je dirais, des libertés publiques et de la liberté de penser. Les Chinois adorent le terme de contradiction qu'ils utilisent volontiers d'ailleurs pour euh, le substituer à celui de priorité de la. Tel, on s'adresse à telle contradiction. Mais la contradiction fondamentale, c'est bien celle qui résulte, alors non pas de la pensée de Mao Zedong, ni de celle de Xi Jinping, mais de celle de Deng Xiaoping. C'est-à-dire, comment peut-on mener une politique à la guiseau Enrichissez-vous et libéralisez complètement l'économie chinoise au point qu'on encourage les Chinois à investir, à se déplacer à l'étranger et qu'ils se développent des contacts avec le monde qui sont de plus en plus nombreux et diversifiés, et en même temps maintenir un contrat social qui consiste à demander en contrepartie que l'on abandonne totalement euh, toute aspiration aux libertés publiques et qu'on s'en remette à un système totalitaire et communiste. François Sureau. Bah, je ne dirais rien, parce que j'ai été traumatisé dans ma jeunesse hein, par euh, la lecture successive euh, euh, du Père Carbonel, le dominicain qui insultait Simon Leist, du navrant Étienne Manac et de ses lamentables mémoires, et de, et de Père Fitt, qui expliquait qu'il était dans la nature des Chinois de ne pas supporter les libertés publiques. Euh, et donc, euh, n'étant pas sinologue, ne connaissant pas la Chine, je m'abstiendrai de toute euh, réflexion générale, et, et d'autant que j'ai été. Euh, très très instruit euh, par mes deux camarades. Je, je voudrais quand même, d'une certaine manière, leur poser une question qui me fascine depuis longtemps. Euh, comme comme certains d'entre nous, j'ai fait mes études dans des années où on nous présentait à peu de choses près l'Union soviétique de l'époque comme on nous présente la Chine de maintenant. Quand j'étais aux sciences politiques, il y avait un géographe qui s'appelait M. Georges et qui expliquait que enfin cette année, il attendait ça, c'était un vieux Stal depuis des années, pas qu'enfin cette année l'Union soviétique allait dépasser les États-Unis, devenir la première puissance du monde, former un modèle alternatif à la démocratie politique, qui d'ailleurs serait plus rationnel, plus efficace, pendant que d'autres gens développaient une théorie de la convergence. Et puis un jour tout ça a disparu comme par enchantement et on s'est aperçu que le pays du géant était exactement le PIB de la Belgique euh, quand euh, on retraitait la statistique pour euh, en, en enlever tous les éléments de propagande. Euh, ce qui fait que la question qui me fascine, alors qu'on lit chaque semaine des chiffres absolument extraordinaires et probablement trafiqués euh, en provenance de cet univers néo-totalitaire, c'est... Euh, en réalité, est-ce que, réserve faite évidemment du nombre de gens qui l'habitent et du caractère éternel de sa civilisation, est-ce que la Chine n'est pas exactement susceptible de donner lieu à l'effondrement ou à la disparition du même mirage que l'Union soviétique de naguère Nicolas Paffresse. Euh, il faut assurément prendre les statistiques chinoises avec beaucoup de, de prudence. Mais l'émergence de la Chine, euh, ça n'est pas du tout le, ce qui s'est passé, euh, passé en Union soviétique, parce que l'Union soviétique était un système clos. La Chine n'est pas une économie euh, ouverte, notamment sur le, le compte de capital, mais elle l'est sur le plan euh, du commerce. Et, euh, il, il est, alors, euh, ensuite, on a l'éternel problème, les statistiques chinoises, les parités de pouvoir d'achat. Mais euh, il est vrai que la Chine est passée euh, de 3% du PIB mondial en 1975. Euh, de l'ordre de 12% aujourd'hui, 20% si on prend la parité de pouvoir d'achat, mais ça c'est à mon avis assez, assez dangereux. En revanche... Euh, ceci s'est fait avec euh, plusieurs talons d'Achille extrêmement importants. Le premier, c'est la dette. Si on prend la dette totale, elle a augmenté de 150% à 260% du PIB en, en 10 ans. Donc, euh, on a des bulles spéculatives partout sur l'immobilier. Il y a une finance de l'ombre qui représente à peu près 80% du PIB. Il y a des sur surcapacités industrielles, des surinvestissements dans les infrastructures euh, euh, considérables ça c'est le premier c'est le, le, le premier talent d'achille le, le second c'est ce que c'est la pression que la Chine a mise euh, sur l'ensemble du système mondial à travers justement ses exportations euh, et les réticences que ça suscite aujourd'hui, y compris en Europe, où on commence enfin euh, à se dire que euh, tous les investissements chinois ne sont pas forcément euh, bons à prendre. Et puis le troisième problème, c'est ce qu'on disait, comment est-ce qu'on peut être dans une économie d'innovation, de haute valeur ajoutée dans un système totalitaire qui refait du marxisme une doctrine non seulement une doctrine d'état euh, que chacun est, est, est censé euh, euh, cultiver. Ça, c'est une euh, c'est une énorme question. Donc, euh, le, le le contrairement à l'Union soviétique, ça n'est pas un développement virtuel, mais en revanche, c'est un, un, un développement qui comporte ses fragilités. François Béjons de l'État. Oui, c'est tout à fait vrai. Et alors, au rayon des contradictions, je voudrais simplement revenir sur un chiffre justement qui est très intéressant et qui est donné par Xi Jinping lui-même, puisque il fixe des horizons. avant nous dit l'horizon qu'il se fixe, c'est le centenaire, effectivement de la proclamation de la République populaire de Chine le 1er octobre 1949. et peut-être au fond envisage-t-il d'être encore là d'ailleurs quand on, quand on le célébrera. Mais il fixe un horizon. Il dit que le PIB par habitant qui est aujourd'hui en Chine de 7000 dollars par habitant doit passer en 1900, en 2049 quand on célébrera le centenaire à 30 000 dollars. Donc, vous voyez bien, par habitant, donc, vous voyez bien qu'il y a une marge de progression absolument considérable et que Pierre-Georges, s'il était encore vivant, pourrait prophétiser effectivement que la Chine devienne immense. Mais les contradictions sont là, justement, parce qu'en même temps, cette population dont le niveau de vie s'accroît, dont le contact avec le reste, dont les contacts avec les restes du monde s'accroissent aussi à des aspirations nouvelles auxquelles le système n'est pas prêt à répondre. Et la demande de protection sociale, par exemple, est une des choses qui vont peser de plus en plus sur le pouvoir, il va falloir répondre à cette demande avec une économie qui n'est pas prête encore à se lancer dans ce type de réforme très profond Je vous remercie a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je voudrais l'ouvrir en recommandant les représentations à la Comédie Française des Fourberies de Scapin. Les Fourberies de Scapin sont une pièce énormément jouée. C'est pas la pièce la plus chargée d'un message de Molière, mais c'est une pièce d'acteur, c'est une pièce de comédien et de tout particulièrement pour Scapin. C'est donc une pièce très difficile à jouer parce qu'il faut faire oublier les Scapins qui vous ont précédés. Je sais si il y a la comédie française, il y en a eu au moins deux qui ont été Robert Hirsch en son temps, pour les, pour les plus anciens, qui était une espèce de Scapin bondissant, et puis Philippe Toreton qui était plutôt lui côté chat, chat de gouttière, chat sauvage, chat écorché. Et là, c'est Benjamin Lavergne. Et Benjamin Lavergne a trouvé quelque chose qui, pour moi, est un mélange du comédien italien Toto, glorieux notamment à à travers le, le pigeon, euh, du brave soldat Schweik, euh, c'est-à-dire d'un quelqu'un qui sait parfaitement ce qu'il fait, mais qui fait l'imbécile avec énormément de, de succès, euh, et aussi du grand Duduche. Ajoutez à ça un peu de Charlie Chaplin, et euh, ça, ça donne un, un scapin que j'ai trouvé particulièrement remarquable. Petite remarque latérale, il montre son derrière. Le, la comédie française devient une sorte de pépinière de derrière qu'on peut aller voir, de derrière masculin, je pense, quelques derrière féminins, mais enfin pas autant que on pourrait euh, imaginer euh, l'application le, de la parité. Alors moi personnellement, ça m'est égal, euh, pour peu que ça ait un sens, mais il y a quand même un moment où cette chaîne finit par... Conduire à se poser des questions. Est-ce que bientôt ça va faire partie du règlement de la comédie française que tous les comédiens devront, et peut-être aussi un jour l'administrateur et au guichet quand on ira acheter son billet, il y aura un vendeur ou une vendeuse de billets sur deux qui sera... françois sur. Vous avez des lumières sur cette. Euh, j'ai des lumières parce que j'ai assisté à une scène magnifique. Moi, je suis un grand aficionado de la comédie française. Et il y a quelques années, je suis allé assister à une représentation du Tartuffe. Oui. Dans cette représentation, le Tartuffe se mettait totalement à poil et, euh, et évidemment, euh, envisageait de, de procéder sur la dame. Et il y avait, parce que c'était un après-midi, il y avait les enfants des écoles. Les enfants des écoles, certains venaient de, de, des banlieues que réprouve notre ministre de l'Intérieur, ce qui fait que la moitié des enfants des écoles étaient voilés, euh, en tout cas leurs accompagnatrices, certaines d'entre elles, et euh, au théâtre. Et ce qui était absolument magnifique, c'est qu'au moment de la nudité de Tartuffe, chacune d'entre elles a pris son programme et a caché son regard derrière le programme manifestant ainsi l'actualité de Molière. Et j'ai trouvé cette scène absolument fantastique. Oui, ça n'était pas, pas le seul qu'on ne voulait pas voir, mais Nicolas Bavresse. Alors nous sommes encore au mois d'octobre, c'est le, le centenaire de la révolution bolchevique, et je voudrais rappeler euh, La roue rouge de Solzhenitsyn, c'est un livre prodigieux, et c'est un livre qui montre que euh, la vérité littéraire peut-être supérieur à la vérité scientifique, puisque, selon moi, euh, je, je ne pense pas qu'il y ait un livre d'histoire qui arrive à ce degré de pénétration et de compréhension de ce qu'a pu être la révolution de 1917. – Solzhenitsyn avait inventé l'expression « investigation littéraire », et c'était, je crois que ça disait en effet tout, y compris ce détour par le roman, par la fiction, etc. François Suron au début de la Roue Rouge, il y a ce passage absolument extraordinaire qui est euh, Tannenberg, euh, Rennenkampf errant dans les forêts. Enfin, cette, cette scène est absolument fantastique. Euh, moi, je voudrais recommander à tout le monde d'aller à la Maison Rouge, qui est le, 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 le musée personnel, si je puis dire, d'Antoine de, de, de Galbert, qui est 10 Boulevard de la Bastille, euh, avant qu'il ne ferme, puisque Antoine de Galbert, qui a été un mécène remarquable, va fermer son... Euh, la Maison Rouge et faire don d'une très grande partie de ses collections à un hein, musée euh, situé à Lyon. Et c'est une chose suffisamment rare pour être euh, relevée, s'agissant d'un mécène privé qui n'a jamais rien demandé à personne. Et, et dans ce, euh, à la Maison Rouge, en ce moment, il y a une exposition euh, de la collection de photographies, notamment de Marine Karmitz, le producteur de cinéma, s'appelle Étrangers résidents. Et euh, c'est une collection absolument extraordinaire qui est une véritable traversée du siècle. Euh, les photos de Heinz sur les classes populaires et les Noirs en Amérique dans les années 20 ou 30, euh, les photos de Kibbutz en Hongrie en 1937, euh, les photos euh, de l'époque de, des années 60, des photographes euh, absolument euh, extraordinaires. C'est un magnifique voyage dans le XXe siècle. François Bujon de l'Étang une petite excursion dans le domaine de la musique. Je voudrais saluer ce que j'espère être la renaissance du concours Marguerite Long, Jacques Thibault, Régine Crespin qui a connu des années difficiles et qui n'a pas pu être organisé plusieurs années de suite, mais qui a organisé cette semaine un gala euh, auquel ont joué plusieurs anciens lauréats dans lequel il a été annoncé que le concours de violon Jacques Thibault sera organisé de nouveau en 2018 avec un jury très prestigieux que présidera Renaud Capuchon et j'espère je, et de tout cœur que c'est la renaissance d'un des grands concours musicaux français euh, qui tient une place éminente euh, sur la scène internationale et qui a produit d'éminents musiciens. Au nous cours de en ces acceptons très volontiers l'augure. Nous remercions les auditeurs de nous avoir suivis. Nous leur rappelons que c'est dimanche prochain que l'émission aura lieu en public à l'école alsacienne à 10h45, qu'il est nécessaire de s'inscrire et qu'on peut le faire sur un site dont vous trouverez le lien sur le-nouvel-esprit-public.fr. Ce sera plus simple, je crois, de passer par ce truchement plutôt que de prendre sous ma dictée le euh, les coordonnées du site sur lequel il faut s'inscrire. Je vous rappelle que vous, bien sûr, vous pouvez continuer à participer à notre financement. Et enfin, que le nouvel esprit public est préparé avec les élèves de la classe préparatoire à Sciences Po de l'école alsacienne, qu'il est produit et distribué par Nouvelles Écoutes à la production Julien Neuville et à l'enregistrement au mixage Maxime Olivier. J'espère vous retrouver la semaine prochaine à l'école alsacienne pour ceux d'entre vous qui en auront la possibilité et au bout de ce podcast pour tous les autres.